Bon, sauvegardez votre travail sous un nouveau nom. Comme ça, vous avez un backup. Les calques qui ne me servent pas, qui ne sont pas affichés, je vais les jeter parce que comme ça, ce sera plus simple. Alors, il y a différentes manières de faire ça. C'est toujours comme ça dans Photoshop, on peut arriver au même résultat de différentes manières. Donc, je vous montre une manière de faire. Vous allez dupliquer le calque de l'arbre. Celui-là, je vais l'appeler ombre, mais c'est juste pour la démo, pour que tout le monde sache bien à quoi, à quoi chaque calque va servir. Donc, vous avez dupliqué le calque de l'arbre. Vous travaillez sur la partie gauche du calque, c'est-à-dire les pixels qui contiennent l'arbre. Vous allez remplir ça par du noir. Édition, remplir avec noir, 100% normal, OK. Voilà, c'est rempli avec du noir. Vous ne voyez pas que l'arbre est devenu noir parce que celui original, là au-dessus, est par-dessus l'arbre noir. Mais si vous enlevez l'œil, vous voyez l'arbre noir. Oui, il y a un truc bizarre, c'est que il y a des petits trous là, mais c'est pas très grave, ça peut se corriger après. Oui, au fait, j'ai oublié que sur le tronc, il eût fallu. Mais c'est pas grave, on va pouvoir le corriger après s'il faut. C'est pas logique que les reflets sur l'arbre original fassent des trous maintenant sur l'ombre. On est d'accord, hein? En même temps, ce qu'il faut, c'est que globalement, les images en jettent. Après, les petits détails, ça se règle après. Ça a été pour remplir le calque de noir ici. Et quand vous enlevez l'œil en face du calque du dessus, vous voyez bien un arbre noir. Bien. Alors, je vais jeter le masque de fusion à la corbeille. Le masque de fusion qui est sur le calque noir. Et ça me demande qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que je veux le supprimer comme s'il n'avait jamais existé? Ou est-ce que je veux l'appliquer au moment où je supprime? Je choisis appliquer. Et donc je me retrouve avec un arbre noir entouré de transparence. Et ça, c'est parfait. Donc j'aurais pu obtenir ça d'une autre manière. D'accord? Bon, dans Photoshop, on peut obtenir la même chose de différentes manières. Je jette, mais ne le faites pas, ne jetez pas. Je vous montre juste que j'aurais pu dupliquer l'arbre original. J'aurais pu jeter le masque, faire en sorte que il s'applique, donc j'obtiens un arbre en couleur, verrouiller la transparence et remplir de noir. Donc ça va remplir sur le calque, sauf là où c'est transparent. Et voilà, j'obtiens la même chose. Donc deux manières complètement différentes d'obtenir la même chose. Une fois que vous avez compris la logique de Photoshop, vous appliquez. Vous jouez avec ça, vraiment, vous jonglez. Oui, c'est juste d'abord supprimer le masque et puis remplir. Mais remplir en ayant verrouillé la transparence, sinon ça remplit tout de noir. Voilà, c'est juste deux approches complètement différentes, mais au final, on obtient la même chose.